What's up? Aujourd'hui, je m'en vais voir la Sylvia. Dans le fond, ce qui m'empêche de le rouler, premièrement, la batterie est à terre depuis une couple de semaines, là. Fait que là, la batterie est fraîchement rechargée. Quand je l'avais parqué là, un bon bout de temps, là, j'avais fait changer un fil à bougie. Comme là, il est à côté au fond, là, puis il va pas plus loin que ça. Fait que là, il va falloir que je modifie un peu mon fil. Puis ici aussi, là. Il n'y a pas exactement le bon angle, là, fait qu'il va falloir que je le plie un peu plus pour qu'il ait le bon angle. Pas peur, pas peur. Oh my god! Ouais, dans le fond, ah, ça monte, hein. Depuis qu'il était pété, là, en tout cas, depuis que j'ai changé l'ordi, je l'avais parti juste pour l'essayer, voir si l'ordi marchait sur 4 cylindres pis tout. Puis ça, j'ai fait, ok, ça marche sur 4 cylindres, c'est good. Mais je l'ai pas fait runner plus que ça, là. Puis ça, j'ai remarqué, là, quand j'étais arrivé pour l'éteindre la dernière fois, qu'il runnait à 2500 tours, j'étais comme, ouh! Mais. Ça, après avoir checké la vidéo, là, quand je l'ai parti, ça a l'air que je l'ai parti, il revenait à 1000, 1500 à peu près. Puis là, finalement, ça a pris comme 1 minute, il est tombé à comme 2005, peut-être même 3000, je me rappelle pas. Je me rappelle qu'il était vraiment, vraiment haut, puis j'étais genre, oh les shit! Là, je me suis dit que ce serait une bonne idée de peut-être juste le partir, puis de le laisser idle, là. En fait, j'ai le goût de le prendre. J'ai le goût de le prendre, j'ai le goût de le rouler. Là. Ce qui m'empêchait de le rouler, c'était la batterie qui était à terre. La batterie était. Oh! Ah, oh, ça redescend, c'est bon ça. Oh, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Oh, ça a juste l'air d'un champ qui manque de gaz, peut-être. Bon, ben, on est parti sur une nouvelle aventure! Bon, ben, je vais aller chercher du gaz dans une canisse rouge, puis on va mettre ça dans le char, puis on va voir si c'est parce qu'il manquait de gaz ou pas. Parce que pour vrai, là, il est vraiment là, le gauge, pas parce qu'il marche pas, il marche. La lumière, elle allume. En plus, c'est pas vrai, hey, c'est un de mes chars les plus fiables, j'en reviens pas. Puis ben, ça fait un pas près bout de pareil que la lumière est à E, là, puis que je l'essaye, là, je le crank, puis que blablabla, là, tu sais, depuis. En tout cas, ouais, c'est ça, bref. En tout cas, fait qu'on va espérer que ça soit ça, je croise les doigts. Croisez les doigts, vous aussi, s'il vous plaît, même si ça sert à rien, parce qu'il est déjà trop tard. Au moment où vous checkez la vidéo, c'est sûrement déjà tout arrangé. Soit c'est arrangé parce que c'est juste le gaz, ou soit je pleure parce que j'ai un nouveau problème. Fait que ça va être à redécouvrir plus tard. Parlant de nouveaux problèmes, là, aussi, là, c'est ça, j'avais un problème d'injecteur, qui faisait que mon injecteur était comme tout le temps collé, ouvert. À un moment donné, j'ai fait des tests, là, en tout cas, j'avais déplugué mon injecteur, là, je revenais sur 3 cylindres, là, juste pour le ramener ici, puis blablabla, rentrer, sortir du garage, bon. Un jour, j'ai fait des tests, j'ai plugué mon injecteur. Puis là, j'ai fait mes tests, blablabla, puis là, j'ai oublié de le déploguer, puis j'ai crissé mon camp. Puis au bout de la ligne, ben, quand je suis revenu une couple de jours après, ben, j'avais plus de batterie, mais c'est normal parce que mon injecteur était collé. Ben, c'est ça, parce que j'avais un problème d'injecteur. Mais là, j'ai changé, dans le fond, d'ordi. Changé d'ordi, changé de batterie. Là, j'ai réessayé ça, justement. Je l'ai pas réessayé longtemps, là. J'ai fait brûler le char comme 2 minutes. J'ai fait, ok, ouais, good, ça marche. Je l'ai éteint. Puis 3-4 jours après, quand je suis revenu, oups, encore plus de batterie. Mais tout l'hiver, je me suis. L'affaire, là, c'est que tout l'hiver, je me suis servi du char, là, puis il partait super bien, là, dans le fond, même à moins 30, là, il allait bien, puis tout. Fait que là, j'ai comme un nouveau problème de drainage de batterie. Fait que ça va être à vérifier avant que je prenne la route avec. Puis pourquoi j'expliquais ça dans le fond? Ouais, c'est ça, je pense que ça, je parlais juste de problème. Fait que là, dans le fond, ça se pourrait que j'aille chercher du gaz, que je revienne, puis j'essaie de starter le char, puis que là, plus de batterie. Ben, je penserais pas, là, ça va juste prendre 10 minutes, puis je sais pas à quel point est-ce que ça draine la batterie, mon affaire, mais même si ça serait genre les lumières allumées pendant 10 minutes, en principe, le char est censé partir quand même. Fait que. Parle, genre, on est parti! Ça va quand même bien, ma vie, ces temps-ci, là. Je me promène en Civic rouge, parce qu'il marche.
Puis j'ai mon Civic Turbo que je me promène pas avec parce que je me suis promené tout l'hiver en Civic Turbo. Puis là, ben, j'avais le Civic Rouge. Là, puis là, première journée que j'ai eu le Civic Rouge dans le fond chez moi, je me suis dit, hey! Le lendemain, genre, je suis sorti. Puis là, je pensais prendre mon Civic. Je pensais pas que j'avais le choix de char. Puis j'ai fait, hey, j'ai un choix de char, malade! J'ai pris le Civic Rouge. Puis là, ben, c'est ça. Ça fait comme 4-5 jours, une semaine peut-être que je prends le Civic Rouge là, parce qu'il est chez nous. Fait que c'est ça, c'est bien cool. Fait que là, j'ai le Civic Rouge qui marche. J'ai le Civic Turbo qui marche. Puis là, ben, si je m'occupe de ça, je vais avoir un troisième char qui marche. Un trois chars qui marchent en même temps. Ça, c'est merveilleux. Ah, bon petit beat-off fiable. Ah, ça fait 2 minutes, en date ça va bien. Ça puff. Ah, le puff est blanc. Vraiment, il y a pas mal tout le temps de puff est blanc, mais... Je prends pas de Prestone. Je comprends pas. Calvaire. Il y a de l'eau et tout, hein. Il est genre à 2000 tours là, encore. Ouais, ben j'ai le goût de le ramener chez moi, mais en même temps, j'ai peur que demain il parte pas. Donc là, il faudrait que je check voir mon problème de drainage de batterie. Ça, j'ai pas le goût de faire ça aujourd'hui. Là, je vais le rentrer dans le garage. Je vais juste déploguer la batterie au pire, puis peut-être que demain je vais venir m'occuper de ça. Et voilà, le Sylvia est dans le garage. Mon fil à bougie, dans le fond, je l'ai changé. Là, à Kev, il y en avait un paquet, fait que j'ai demandé de voir s'il n'avait pas à me vendre genre un set. Puis il m'a dit, ah, tu peux en prendre un, je te le donne. Fait que, thanks! Ça arrive, ben à fond, c'est un truc fait pour 2,40 là, parce que l'autre c'est un fil custom pis tout. Fait que, en tout cas, faudrait que j'en mette le petit cover ici. Pis, faudrait que j'en mette le petit cover qui va ici. Je ferais ça demain aussi en même temps. Pis là, je vais dans le fond déploguer ma batterie pour être sûr que demain elle soit pas à terre. Pis, that's it, après ça, je vais pouvoir m'en aller de même. Yo, v'là 2 jours, je me promenais avec le Civic Rouge. La fenêtre full baissée, le bras sorti, puis aujourd'hui, man, bang, motherfucker. La journée parfaite pour aller à sac, man. Je viens d'aller plaquer le 240, là. Ça faisait presque un an qu'elle était au remisage, je ne voulais pas d'inspection, fait que... Pas d'inspection, man, c'est cool. Là, pour vrai, j'ai pesé, man, immatriculation, puis ding, j'ai sorti en premier. Pas un chat, man. Excellent. Je vois rien, man, c'est la lumière, style. Est-tu rouge, est-tu vert, est-tu jaune? Il y en a jusqu'au côté de porte. Hein. T'as peine si la porte elle frotte pas dedans. Sick. C'est ça, je m'en fous tellement ce char là, man. C'est ça le plaisir de se promener. Mon Civic Turbo, je me promènerais pis je serais genre fuck, la tarte couleur frotte, pis tout. Ça là, je m'en fous. C'est la joie.
évidemment, il a resté pris. J'avais dit qu'elle est restée pris, mais il m'écoute jamais. Est-ce que je te l'avais dit que t'allais rester pris? Hein? C'est pires idées. Ah. Qu'est-ce qu'on ferait bien sans lui et ses bonnes idées, hein? Non, fait que dans le fond, changé la fuse de mon multimètre. J'ai rien vérifié ma batterie. Batterie que j'avais déployée dans le fond parce que je voulais être sûr qu'elle ne drainne pas. Dans le fond, c'est dans la même vidéo, fait que je pense que vous vous en rappelez. Hein. Hey, toi, t'as-tu de filmer ça real quick? M'assurer que ma batterie est encore chill. 12.7. C'est cool. Là, dans le fond, moi, je vais juste reploguer mon positif. Et après ça, je vais faire mon test avec le négatif. Dans le fond, au début, j'avais commencé à 10 ampères. À 10 ampères, ça marchait pas autant. Là, c'est posé là, ça va être excellent. Puis là, c'est ça, je te laisse, c'est 8 ampères. Là, si je check. En tout cas, j'étais à peu près à 10 ou en bas de 10 mAh de drainage sur ma batterie. Si tant que tu restes en bas de 50 mAh, t'es correct normalement. Là. Fait que je sais pas, man, c'est peut-être juste une bad luck. Peut-être que je suis con, man, j'avais laissé la lumière allumée. Je sais pas si elle avait joué avec les lumières ou quelque chose. Ou... C'est juste une bad luck, fait que je vais essayer peut-être juste de reploguer comme tout ça. Starter le char, être sûr que ça marche, blablabla. Puis après ça, on va le laisser de même pendant 2 jours, puis si je reviens dans 2 jours puis t'es en terre, là, on verra ce que je fais avec ça. Bon, je vais tout reploguer. Je vais partir le char juste à 5 secondes, juste pour confirmer que la batterie est bien connectée, qui part, qui blablabla. Là, c'est parce que je suis dans le garage, puis il idle quand même à 2000 tours, puis tout ça, là, fait que là, j'ai pas le goût d'emboucaner le garage pour rien. Juste confirmer que ça marche. Voilà, confirmation. Fait que je vais revenir voir ça dans 2-3 jours. En attendant, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!